Ah, Ah, Maître Zoukou, aujourd'hui là, c'est parfait. extraordinaire. Aujourd'hui, là, ça a marché. Vraiment, on est obligé de pousser des cris de jubilation pour quelque chose qui, normalement, même devait être ordinaire. J'ai pas pu regarder même le titre. Dès que tu as dit, on y va. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est après, je me suis rendu compte que tu n'avais pas fini de formuler ta phrase. Il n'y a pas de Tellement problème. j'avais peur de rater les notifications là, j'ai dit bon, voilà. Ah. Tu as mis quoi comme titre? J'ai mis médias africains nécessaires, trois points d'interrogation. Ah, médias africains nécessaires. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça ta Oui, question? est-ce que c'est nécessaire dans les jours qui sont là, les temps que nous vivons là, est-ce que des médias africains puissants, comme au même titre Oui. que les CNN, les Al Jazeera et tous ces trucs-là, est-ce que c'est nécessaire? Vraiment, ça, ta question, c'est une grosse question. Et même, je trouve même que cette question-là même ne se pose pas, tant les médias africains sont nécessaires. Mais c'est utile de la poser comme ça, sous la forme d'une provocation. Souvent, on sait que quelque chose est évident, mais il faut poser la question pour amener les gens à réagir. Oui, exactement, Toi-même, exactement. tu vois que la réponse est évidente, mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à répondre. Ça va les amener à prendre position. Oui. Ah, si vous trouvez que c'est nécessaire, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Ah. C'est pour amener les gens à se prononcer et à les engager. Exactement. Exactement. Et Donc, aujourd'hui, pour le moment, je ne vois pas encore de commentaires. Bon, je ne sais pas. y a une seule personne sur le live. Ah, t'as vu? Moi, je ne vois pas. Et alors que je vois d'autres personnes qui se sont connectées, mais il y a une personne sur le live. C'est les algorithmes de Facebook, mais on s'en fout. On va parler quand même. Et puis, on va partager. Et au fur et à mesure, tu vas voir à toi, mais ça surpris le soir qu'il y a 2000 personnes qui ont regardé. Allons-y seulement. Donc, je disais que Oui. médias africains, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça, là même, tu l'as dit, on a besoin de poser la question. Mais on pose la question sous forme de provocation parce que Oui. on a l'impression, hein, on a l'impression que les Oui. Africains n'ont pas encore assez souffert. C'est-à-dire que l'Africain lui-même, là, quand tu le prends individuellement, là, c'est comme si il est tellement habitué à souffrir, il est tellement habitué à vivre dans la misère, il est tellement habitué à être le dernier du carrosse, il est tellement habitué à être écrasé que pour lui maintenant, faire quelque chose qui va le faire remonter à la surface, il trouve ça inutile. Véronique Assoumou, bonjour. Clément Clicon, bonjour depuis ta position. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur et de pouces et tout ça, c'est important. Tu vois, parce que normalement, aujourd'hui, là, un peuple qui est conscient, qui est normal, mais c'est un scandale. Ce vide-là, est-ce que je peux employer le mot vide médiatique? Oui, on peut, à mon avis, tu peux employer, hein. Voilà. Est-ce Au que... moins, il y a une, même s'il n'y a pas de vide, au moins, il y a une insuffisance qu'on Mais peut, il entre y a un guillemets, appeler vide parce que c'est trop léger. vide. Non, il y a un vide même, parce que Oui. même C'est clair. Afrique Oui. Média, ils étaient au niveau quand ils étaient sur le bouquet de Canal. Oui. Afrique Média, quand ils étaient sur le bouquet de Canal, puisque au début, Canal les a sous-estimés. Donc, Oui. Canal leur a permis d'être sur le bouquet en se disant que bon, c'est des gens, ils vont venir raconter leur vie, leur petite misère là. C'est pas grave, il faut laisser les Africains un peu parler. Mais là, quand ils ont vu que sur Afrique Média, Oui. à travers les débats, à travers les explications, à travers la verve que les animateurs avaient, l'Afrique commençait à bouger. Ils se sont dit, Oui. wow, si on laisse les gars là encore s'informer comme ça, c'est fini pour nous. Boribana, c'est fini, c'est gâté. Et en plus, c'était pendant le procès du président Gbagbo, Mais à La bien Haye. sûr. Les gens suivaient le procès. Ça fait que même le procès qu'ils ont engagé contre Gbagbo, ils l'ont perdu. Parce que Oui. une petite partie de l'Afrique, grâce à Afrique Média, a été au courant. Et les preuves maintenant qui
désengager la responsabilité de Gbagbo dans ce qui s'est passé, ce qui a lui a permis d'être acquitté, sont sortis au grand jour. Les gens ne pouvaient plus cacher ça. Donc, automatiquement, les Occidentaux qui ont fomenté cette humiliation de l'Africain, là, parce qu'en fait, depuis toujours, le colon, il procède par exemple. Quand ils ont buté Sylvanus Olympio, c'était dans le but de montrer à Oufoué Boigny et Senghor et tout ça que voilà ce qui va vous arriver si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Quand ils ont buté Amical Cabral, quand ils ont buté Lumumba, quand ils ont buté tous ces gens, en fait, c'était pour leur dire voilà ce qui va vous arriver si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Donc, cette dissuasion-là, ça a fait peur à beaucoup qui ont dit attends, moi, ils me mettent au pas haut. Attends, moi, j'ai fait les choses comme il faut. Au moins, ma vie, ce que je peux gagner. Parce que les gars te disent, bon, comme Mitterrand, par exemple, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Hein. Quand monsieur le président Oufoué Boigny était communiste à l'époque, au début. Oui. Et qu'il était vraiment le... Bon, Kouassi, excuse-moi de te couper une petite précision. Oui. Pour être, si tu veux, précis et puis vraiment très factuel, Oufoué Boigny était affilié au communisme. Voilà, affilié au communisme. Voilà, c'est ça. Voilà, scientifiquement. Hein, voilà. Mm-hmm. Maintenant, toi, tu peux par point de vue, hein, mais de façon objective et factuelle, officiellement, il ne s'est pas proclamé communiste. Non. Il a dit qu'il était affilié au Parti communiste. Mm-hmm. Voilà. Mais il avait une bonne connexion avec les communistes. Voilà. Parce que c'est eux qui défendaient mieux. Il défendait plus la décolonisation que les autres partis. Par Exactement. Tradition, il se montre un peu plus humaniste que les autres partis. Donc, continue. Il était beaucoup lié au communisme. Voilà, allons-y. Voilà. Donc, il était révolutionnaire. C'est lui qui s'est bagarré pour que les travaux forcés, qui est un maquillage de l'esclavage, les travaux forcés, les fameux travaux forcés, là, par rapport à l'ONU, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de batailles que De Gaulle a perdues à l'ONU. Voilà pourquoi De Gaulle était fâché avec l'ONU en disant que l'ONU, c'est un machin, pour ceux qui se rappellent. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Parce que les gens le savent pas. Oui. C'est l'une de ses célèbres phrases même. L'ONU est un machin. Voilà. Maintenant, les gens ne savent pas pourquoi De Gaulle a sorti ça. Les gens Non, moi-même, franchement, moi-même, je ne savais pas. Donc, vraiment, je suis à ton écoute ce midi. Ok. Vas-y. Donc, De Gaulle a pris défaite à l'ONU à cause de l'Algérie. Les choses qui se passaient en Algérie, parce qu'au départ en Algérie, la France avait pris l'Algérie comme ils ont pris la Côte d'Ivoire, le Togo, tout ça là. Et les Français faisaient le même système. Quand ils sont arrivés au début, les maîtres, ils sont dans la belle ville d'Alger. C'est eux qui, ils ont les boys et les bonnes, nos frères algériens, c'est eux qui ont leur petit club où ils vont boire le soir, où c'est interdit aux Algériens, où c'est comme, c'est qu'ils auraient fait leur petit truc, leur petite villa dans le pays des gens, et puis ils s'apprêtaient à tout prendre parce qu'il y avait le pétrole, il y avait le truc, et ils allaient jusqu'à même faire des essais nucléaires. Bien sûr. Des essais de bombes atomiques, la bombe nucléaire, ils faisaient éclater ça dans le désert. Et puis, dans le désert, il y avait des villages qui étaient à côté de Berbères et tout ça, où les gens étaient contaminés, où les enfants sont nés handicapés pendant des années et des années. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais fait cas de ça une fois quelque part dans leur livre d'histoire, où ils ont vraiment massacré des gens là-bas, en dehors de la guerre même qu'il y a eu de libération de l'Algérie avec le FLN. Tous ces gens-là, mais l'affaire est partie à l'ONU. Et à l'ONU, les gens sont partis avec des dossiers pour montrer aux gens du monde que voilà ce que la France fait en Algérie. Voilà ce que les gens-là, les Jean-Marie Le Pen et tout ça. Vous pensez que leur origine de Front National, ils détestent les Algériens, tout ça. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est parce que les Jean-Marie Le Pen, c'était des gars qui étaient là-bas, qui vivaient la vie de Louga sur le dos des Algériens. Et les gens les ont chassés. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette haine viscérale et ce sentiment de revanche-là qui n'est jamais fini jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et en plus, le pire, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale,
Ils sont allés soulever les Algériens comme du bétail pour venir reconstruire la France. Parce qu'ils manquaient de main-d'œuvre. Donc, ils sont allés les prendre en bruit dans les bateaux, les mettre dans des camps. C'est pour ça que c'est l'origine des. Beaucoup de gens. Eh, vraiment. Des fois, il faut apprendre un peu. Et puis, ce n'est pas parce qu'on veut se bluffer ou bien on veut se montrer. Non, non, non. Parce que c'est le fait de ne pas savoir là qui te rend des fois étrange dans le monde. Tu es là, tu marches et puis tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que ça. Tu fais, tu ne sais pas de quoi tu es. Voilà. Quand vous entendez HLM, quand vous entendez les HLM là, à Paris, autour de Paris, la banlieue, tous ces trucs-là, là, l'origine, là, c'est-à-dire qu'au départ, quand ils faisaient venir tous les gens d'Algérie, les gens du Maroc, les gens de Tunisie, les gens du Mali, d'Afrique, du Sénégal et tout ça, pour venir mettre les pavés, pour venir faire les trottoirs, pour venir reconstruire les maisons, pour venir construire. Tous ces gens comme ça qu'ils ont pris, qu'ils ont fait venir en masse. Maintenant, pour les loger, ils ne voulaient pas les loger avec les Français dans Paris. Donc, ils ont commencé à construire des quartiers aux alentours. C'est comme ça que les banlieues sont nées. C'est comme ça. Et si vous remarquez, quand vous venez en Europe, pour ceux qui connaissent bien la France, vous allez voir que les populations des banlieues sont majoritairement des gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas les Français qui étaient là avant. Vous comprenez? Donc, tous ces gens qui sont là en France aujourd'hui, puis on dit oui, il y a trop d'étrangers, il y a trop d'immigration, il y a trop de ceci. C'est pas un coup comme ça, les gens se sont levés, je vais en France, je vais en France, je vais en France. Non, au départ, là, c'est les Français eux-mêmes qui ont vu qu'il n'y avait pas de garçons pour soulever les briques. Bien sûr. Mais écoute, on va quand même recentrer les choses, puisque au départ, on était parti sur l'importance des médias. Oui. Et en parlant de Afrique Média, que les Français de Canal Plus avaient hébergé sur leur bouquet, et ils n'ont pas soupçonné qu'Afrique Média allait devenir un couteau contre eux-mêmes, leur manigance. Voilà, c'est là on était parti. Et dans ton développement maintenant, tu as évoqué le problème de l'Algérie. J'ai évoqué le problème de l'Algérie parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de... Excusez-moi, je suis en train de mettre la clim parce qu'il fait chaud. Oui. Est-ce que le bruit ne vous dérange pas? Bon, pour le moment, moi, je ne sens pas de gêne. Oh, mon ami, tu es bien. Oui, mon ami, j'ai dit tu es bien. Tu es dans une voiture climatisée. Bon, tu es bien, mon gars. Bon, mon ami, vas-y, tu as lutté pour avoir ce petit confort-là. Donc, il faut faroter. Non, oui, vas-y. Ça, c'est pas farotage. Ça, là, vraiment, parce que si j'ai trop chaud que je parle, là, ça va me déranger mes idées. Là, je suis en train de on est en train de parler avec nos frères, de leur parler, les frères et sœurs qui ne savent pas beaucoup de choses pour certains, d'autres qui savent déjà, tant mieux. Mais c'est important de connaître des choses chaque jour, d'augmenter son capital connaissance, parce que le combat, là, on ne le gagnera que par la science et par le savoir. C'est pas dans l'ignorance qu'on va venir s'arrêter devant les gens. Ils vont nous poser des questions, on ne saura pas répondre. Il faut qu'on soit au fait de tout, même plus qu'eux-mêmes. Et notre avantage, c'est que nous, on connaît au moins notre affaire d'Afrique. Là. On connaît bien nos choses et puis on connaît pour eux. Eux, pour la majorité, ils ne connaissent pas pour nos trucs. Ce n'est qu'un groupe de personnes chez eux qui connaissent un peu ce, que nous, ce qu'il y a en Afrique. Donc, on doit tirer profit de ça. Alors, mais donc, je disais que... Voilà, à partir de. On parlait des médias, et puis tu disais que les gens de Canal Plus, ils ont minimisé Afrique Média. Au départ. En fait, où tu voulais en venir, voilà. Tu as voulu et tu as pris un exemple sur l'Algérie. C'était pour en arriver où? C'était pour arriver au partage de l'information. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand un Africain arrive en France, quand il regarde dans les rues. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi de te couper. Tu disais que. Ils ont fait des choses et les gens n'étaient pas informés. Je crois que c'est à partir de maintenant que tu as enchaîné. Oui. C'est-à-dire voilà. En Algérie, En Algérie, les Français ont fait des choses qui ne sont pas catholiques, que les Algériens sont allés reporter à l'ONU. Oui. Et à l'ONU, maintenant, tous les pays qui étaient d'accord avec la France, là, eux-mêmes, ils ont dit, ah, les gars, entre dans leur bureau là-bas, là, ils ont dit, les gars, vous aussi, même si on dit, hein, même si on dit, ça, là, vous ne pouvez pas faire ça, ça c'est pas bon, c'est pas normal. Là, les gars, ils ont les preuves, ils ont tout, vraiment, les gars, non, ça là,
On peut pas faire ça. Donc, on va voter une résolution qui va condamner la France par rapport à ces exactions, à ces choses-là que vous faites dans le pays des gens. C'est pas chez vous. Vous, vous voulez prendre le pays la force. Excuse-moi, oui. Pour être vraiment factuel et puis très précis, il me semble que à l'ONU, ils n'ont pas, je crois, ils n'ont pas pris de résolution qui condamne la France, mais ils ont pris des résolutions en faveur de la décolonisation. J'ai l'impression que c'est comme ça s'est passé. Oui, mais seulement ils ont dit aux Français que c'était pas bien ce qu'ils faisaient oui. comme show exaction voilà. En Algérie. Et ça les a énervés. Voilà, c'est un peu en off. Je ne sais pas si voilà. tu vois. Dans les réunions, en huis clos. Voilà. Voilà, ils se sont rendus compte. Voilà. Et pour parler d'information, pour rebondir sur ce que tu dis, mm-hmm. on parle de l'importance de l'information. Et la France même, jusqu'à aujourd'hui, officiellement, la France ne reconnaît pas qu'elle a mené une guerre en Algérie. Il voilà. parlait des événements d'Algérie. Donc, oui. les habitants même de la métropole, les habitants qui sont sur le territoire français, ils n'étaient pas informés de l'ampleur des violences que les autorités françaises menaient contre les populations autochtones. Oui. On leur a présenté que c'est des opérations de maintien d'ordre, mais alors que c'était de l'extermination. Exactement. Voilà. Donc oui, continue. Donc tout ça a été porté à l'ONU, oui. À l'époque, il n'y avait pas de médias. Mais le simple fait que merci. Des gens comme Ben Bella, des gens comme tous ces gens, les 22, les fameux 22 qui sont à l'origine, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ceux qui sont à l'origine de la révolution en Algérie, ils n'étaient que 22 personnes. Hein. Ils n'étaient pas des centaines, parce que des fois, on est là, on dit, ouais, non, il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir faire la révolution, bien changer les choses. Non, ils n'étaient que 22. Et les 22, là, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui vivaient en Algérie, le reste était en France. Oui. Le reste était sur le territoire français. Quand ils ont commencé à penser, à organiser leur révolte contre le gouvernement français qui leur faisait la misère, ces 22-là, je crois qu'ils en ont tué pas mal, mais il y en a au moins une bonne, peut-être une dizaine qui ont survécu après. Oui. Mais seulement, à l'origine de cette révolte, et puis la France est partie de l'Algérie, c'était simplement une prise de conscience de certains, et la majorité même des Algériens, ils ne savaient pas lire et écrire. C'était parce que nous, chez nous, on dit non, parce que les gens sont illettrés, que personne ne se rend compte des problèmes. Non, les gars, là, le sentiment national, ils l'avaient déjà parce qu'ils ont souffert sous le joug des gens, et ils ont dit non, c'est fini, on ne veut plus. À un moment donné, c'est arrivé, non, on ne veut plus. Donc, c'est ce qui a donné le fait que les Français sont partis d'Algérie. Avec les pieds noirs, tout ça, on a eu, il y en a qui sont restés, qui ont été massacrés, mais beaucoup sont partis, qu'on appelle les pieds noirs. En fait, c'est les Français qui sont nés en Algérie. Oui. Vous voyez, non? Mais qui ont été chassés parce que les gars n'en voulaient plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médias pour divulguer toutes ces choses-là. Les seuls médias, c'était les médias français qui disaient que non, la guerre d'Algérie, les Algériens méchants, ils ont tué tant de Français aujourd'hui. Ils ont tué tant de Français aujourd'hui. C'est ça qui était dans la tête des gens et dans la tête de la population française qui, par ricochet, a commencé à a commencé à avoir de l'aversion pour les Algériens qui travaillaient déjà en France. Ça, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Quand les médias te disent que tous les matins, oui, les Algériens ont égorgé des Français, les Algériens ont arraché le sexe des Français, ils les ont tués, ils coupent leur sexe et puis ils mettent dans leur bouche. Mais ils ne disent pas que c'est les Français qui ont commencé à faire ça d'abord aux Algériens. Ouais. Ça, les gens ne disent pas. Pour donner l'exemple, pour faire peur, pour terroriser les gens, pour ne pas que les gens se révoltent là. Les gars faisaient des atrocités sur les Algériens. Il y a des vidéos qui se passent sur les réseaux sociaux où on voit des soldats qui abattent des vieux qui marchent devant leur tente. On voit les vidéos. Ça existe. Les gens, ils tuent les gens n'importe comment. Ils massacraient les gens. Mais quand les gars maintenant commencé à faire la réciprocité, c'est là maintenant les gens ont commencé à dénoncer et dire que oui, c'était à travers quoi? À travers les médias. C'est à travers les médias qu'on peut diriger une population dans un sens ou bien dans un autre. Aujourd'hui, par exemple, à travers les médias, on diabolise la Russie. Beaucoup de gens qui ne connaissent, même des Africains, qui ne connaissent rien du conflit de l'Ukraine, sont en train de voir M. Poutine comme un diable, comme un sorcier, comme le plus mauvais du monde, comme Hitler, d'après ce que les gens
disent, dites-les. Aujourd'hui même, je commence à avoir des doutes. Parce que quand les gens commencent à trop dire des choses, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'à la fin, tu te rends compte que les gens mentent. Ouais. Vous comprenez, non? Si on n'avait pas les médias d'aujourd'hui, là, et qu'on était peut-être il y a 30 ans en arrière, on allait tous dire que Poutine, c'est un salaud. Poutine, il est mauvais. Il a tort. Oui. Parce que, les gars, on n'allait pas avoir une autre vision du conflit à travers d'autres informations. On n'allait avoir qu'une seule vision à travers une seule information, qui est l'information régalienne. Et puis, il n'y a rien d'autre. Mais c'est normal d'être embrouillé par ça. Oui. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, est-ce qu'on a besoin de médias puissants? Mais voilà le problème actuellement. Pourquoi on voit l'Afrique comme l'enfer sur Terre? Les gens, ce qu'ils vont garder et ce qu'ils vont dire dans leurs informations, il y a eu 200 noyés aujourd'hui dans la Méditerranée. Il y a eu 45 noyés aujourd'hui dans la Méditerranée. Il y a eu 50 morts dans le désert, machin, truc. Tout ça parce qu'ils voulaient venir en France. Ou bien, il y a eu une invasion d'immigrés, de migrants, voilà comment on les appelle. Une invasion de migrants en Espagne, ou bien une invasion de migrants en Italie qui veulent venir en France pour envahir le peuple français. Voilà ce que les gens vont dire quand ils parlent de l'Afrique. Ils ne vont pas parler de Dangote. Ils ne vont pas parler du gisement d'uranium qui devait enrichir normalement le Niger. Ils ne vont pas parler de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bon en Afrique. Non. Ils vont parler d'autres choses. Ou bien s'ils parlent de ce qui est bon en Afrique, ils vont parler de la danse. Ils vont parler du sport. Oui. De ce genre de choses-là. La preuve, quand vous regardez aujourd'hui l'équipe de France de football, mais regardez vous-même. Et puis, il n'y a pas besoin de discours. Vous regardez l'équipe de France de football qui rapporte les Coupes du Monde, là, qui fait parler de la France au plus haut niveau sur le plan du football. Et puis vous regardez, par exemple, l'équipe de France de ski, l'équipe de France de ski, ski alpin, là. Vous regardez si dans le monde, là, entre Mbappé et puis Jean-Claude Killy, par exemple, à l'époque, moi je connaissais comme skieur, qui est le plus connu? C'est aussi simple que ça. Qui a fait le plus parler de la France? Entre Mbappé et puis Jean-Claude Killy. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de match. Mais quand on dit l'équipe de France, c'est la France qui rayonne. C'est la France qui rayonne dans le monde. Mais ceux qui courent sur le terrain, c'est tous des gars d'origine de ne sais où. Mais quand on arrive maintenant dans les lieux où ça décide, dans les lieux où c'est important que des gens s'asseyent pour penser, pour réfléchir, pour dire que non, le pays, on l'envoie dans telle direction, mais dans telle direction, ah, ce n'est plus l'équipe de France de football. Hein. Ça devient maintenant l'équipe de France de Normandie ou bien de la Picardie ou bien... Vous voyez, non, là, les gars, maintenant, ils deviennent plus sélectifs. Ce n'est pas dans le sens du mal que je vous dis, c'est la réalité. Mais chez nous, en Afrique, c'est comment? Nous, déjà, à travers nos chefs d'État, la majorité des chefs d'État africains, pour eux, la plupart, hein, eux, tous avaient femme blanche. Oui. Une Française qui est assise là, au Gabon, au Sénégal, dans tous ces pays-là, elle a des parents en Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont leurs parents qui rentrent aussi dans le pays, qui font des affaires, qui font des trucs par rapport à l'affiliation et tout ça. Moi, je n'ai pas le problème avec le mélange des gens. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais seulement, je veux dire que à l'époque, par exemple, quand on dit un noir a réussi, il s'en va en France, un Ivoirien, quand il revient même dans les films, hein, il est venu à une femme blanche. Il a réussi, hein, il a une femme blanche. Ah, ça là. Les gens ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient malades mentaux. Oui, non, moi-même là, je fais partie des gens qui ont eu ces réactions-là. Oui, ou bien... J'étais ébloui, j'étais admiratif face à tout Africain qui a eu une femme blanche. Mais oui. Ouais. Pour moi, c'est un Africain au-dessus des autres. S'il a pu avoir une femme blanche, vraiment, il est grand. Ouais. J'étais petit, franchement, et même tous ceux qui avaient des femmes blanches, ils étaient regardés avec un certain respect. On se sentait petit même à côté d'eux. Mais regarde le comportement de nos footballeurs aujourd'hui.
Tous les petits footballeurs africains, une fois qu'ils arrivent à un certain niveau, regarde à côté d'eux qui marchent. Regarde pour 90%. Oui. Étant donné le temps court de tes pauses, on va revenir rapidement sur les médias. Voilà. Le thème que tu as posé sur ton direct, c'est est-ce qu'on a besoin de médias? Est-ce que les médias sont nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de médias panafricanistes, des médias de rupture, des médias d'éveil? Vraiment, à travers même ce que tu dis, la réponse est oui. Parce que franchement, nous sommes le fruit d'une, en partie, nous sommes le fruit et de programmes scolaires et du conditionnement médiatique. Moi, aujourd'hui, on parle de médias. Regardez ce que les médias officiels là, ont fait de nous. Même en Côte d'Ivoire, la division qu'il y a eu autour du cas Alassane Ouattara, mais ça a été amplifié par les médias venus d'ailleurs. Exactement. Les militants du RDR, qu'est-ce qui leur donnait la force de descendre dans la rue, même parfois avec des fusils de chasse et tout? Mais il y a l'impact de RFI. Quand on dit oui, les partisans de Ouattara, très nombreux, et tata, mais ils se sentent soutenus. Parce que RFI, là, mais quand on dit RFI, mais ça touche le Burkina, ça touche le Mali, ça arrose un espace gigantesque. Donc, le fait que RFI parle de toi, mais tu te sens mondialement à la une, c'est-à-dire tu te sens mondialement connu, mondialement exposé. Vous voyez déjà? Donc, il est temps que nous, les Africains, tous ceux qui ont fait des études de télécommunication, tous ceux qui font des études de communication, tous ceux que l'État a pris la peine de former à coup de grosses sommes, il est temps qu'ils pensent des médias efficaces pour contrecarrer tout ce que les médias françafricains font. Pourquoi je dis ça? Afrique Média fait un travail. Mais aujourd'hui, après tant d'années d'existence, technologiquement, c'est encore trop approximatif. Tu vois? Il faut avancer un peu plus. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, ils ont signé une convention avec RT russe et RT, oui. Ça veut dire Russia Today. Voilà, Russia Today, oui. Voilà. Mais nous souhaitons que ils aillent un peu plus loin. Il faut des médias qu'on peut, si possible, capter sans parabole. Parce que le pouvoir d'achat des populations ne leur permet pas toujours d'acheter des paraboles. Voilà. Les chaînes avec parabole dont ils disposent, c'est les abonnements Canal avec 5 000 francs par mois. Oui, Afrique Média est quitté là-dessus. Il y a StarTime qui est venu. Voilà. StarTime. Mais le travail de communication est encore insuffisant. Ben oui. Il faut des médias. Voilà. Parce que toutefois qu'il faut avoir accès à un média payant, même si c'est 5 000 francs par mois, là, on n'est qu'à se dire la vérité. Vu les réalités, ce n'est pas tous les foyers qui peuvent consacrer 5 000 francs à un abonnement. Il y a des gens qui ont besoin de ça au quotidien pour se débrouiller. Pour manger. L'idéal, c'est d'avoir... Bon, moi, ce que je souhaiterais, on est un peu dans la théorie de la causerie, hein, mais il y a certains éléments qui sont exploitables, c'est que les pays qui sont en train d'engager la libération totale, comme le Mali ou le Burkina, voilà, commencent déjà à songer à des médias d'accès gratuit. Voilà. Parce que Afrique Média, pour être clair, n'est pas un média d'accès gratuit. Ouais. Ils sont logés dans des bouquets StarTime ou alors il faut d'abord avoir une parabole. Une parabole qui au moins coûte 25 000, je ne sais pas. Donc, il faut que ces pays-là, à la longue, pensent à des médias qu'on peut obtenir gratuitement. Par la TNT, quoi, un peu gratuitement. Oui. Voilà. Oui. Mais là, la TNT, ça même, c'est pas pour nous. En fait, tu sais, la TNT, même, c'est pas à nous. Ça, c'est encore en France ici que les gars décident tout ça. Le vrai problème, là, c'est de pouvoir, par exemple, Russia Today, par exemple, eux, ils arrosent le monde entier, mais seulement, même eux, à leur niveau, comme ils ne
font pas de diffusion en anglais et en français, Oui, parce que c'est les langues qui oui. sont les plus parlées dans le monde par rapport aux Russes, ben, Oui. ils ont un retard aussi même au niveau du traitement de Oui, bien l'information. sûr. Ils ont un gros retard, même les Chinois. Ils ont fait CCTV ou bien quoi, même CCTV ou bien je Si, sais pas quoi là. Où si. CCTV en français. voilà. Où ils diffusent, par exemple, leurs usines, leur mode de vie, leur truc. Oui, ils diffusent ça. Mais pour moi, hein, sincèrement parlant, si jamais je suis chinois et que je veux vraiment donner de la puissance à la Chine, ce n'est pas les conneries de tourisme que je vais montrer sur ma chaîne de télévision. Je vais montrer, par exemple, l'aptitude à la Chine à faire des choses partout dans le monde de façon désintéressée pour pouvoir promouvoir le savoir-faire chinois et tout ça pour que les gens soient attirés par notre savoir-faire et nous appellent pour aller travailler dans leur pays. Tu comprends, non? Oui, Ou bien oui. aller dans les coins où il n'y a pas de justice et puis nous, on vient en tant que militaire, force, truc, on vient, on met l'ordre. C'est-à-dire qu'à la demande, par exemple, des pays qui ne peuvent pas se défendre devant des soi-disant terroristes et consorts, on dit, ah, la Chine n'a qu'à nous aider, le lendemain, on est là, on nettoie le pays, et puis on dit, bon, voilà, nous, on a fini de faire notre travail, maintenant, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin encore de nous, pourquoi? Si on dit, ouais, on veut former notre police ou bien former nos trucs, et puis nous donner les moyens de pouvoir nous défendre demain sans vous appeler, on leur donne ce dont ils ont besoin, puis on disparaît. Demain, Oui. il y a un problème, en tout cas, on peut s'appeler pour dire, les gars, on est solidaires les uns des autres. Et puis maintenant, ça roule. Le monde fonctionne entre nous. On crée notre petit monde d'influence et notre petit monde, par exemple, on crée même notre Coupe du Monde de football. On crée notre Coupe du Monde de Miss ou bien je sais pas quoi. On crée notre, ce que les autres ont fait là. On clone la même chose qu'ils ont fait pour nous de notre côté aussi. Oui. Puisque les autres, eux, ils sont dans leur mode de sanction toujours. Parce que t'es pas d'accord avec eux, ils vont te sanctionner. T'es pas d'accord avec eux, ils vont fermer ton compte en banque. T'es pas d'accord avec eux, ils vont arrêter de te donner les composants que tu utilises pour pouvoir faire des choses, bien les médicaments, ça suffit ce monde-là. Puisqu'on dit le monde doit être libre, le monde doit être libre. Les gens, où ils déconnent par exemple, les Américains ou bien les Occidentaux, c'est que ils disent qu'ils sont contre les dictatures. OK. Ils sont contre la dictature de Saddam Hussein au point où ils s'en vont le bombarder, le buter. Ils sont contre la dictature de Kadhafi au point où ils s'en vont le bombarder, le buter. Mais ils accueillent à bras ouverts la dictature de l'Arabie Saoudite, la dictature de la Jordanie, la dictature de quel pays encore? Il y a plein de pays où ça leur dit rien. Ils ont de bons rapports. On ne comprend pas. Tu vois? Donc, vraiment, il nous faut des chaînes pour défaire la manipulation. Voilà. Tu avais dit que si c'était, enfin, c'est pas si c'était CCTV, là, quoi, c'est CCTV, je crois. voilà, si c'était, tu avais dit que ils ne font pas assez d'explications de ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique. Ils ne montrent pas ça assez, effectivement. Mais Et le qu'est-ce que je traitement veux de montrer? De temps l'information de en l'Afrique, par temps. exemple, ce qui se passe au Mali, là, ce qui se passe au Mali, là, Oui. ce que la France dit. Oui. Et puis ce que les Maliens disent là, les gars ne font pas des journaux télévisés où ils expliquent Non. maintenant à la face du Non, non, monde non. vraiment ce qui se passe. Non. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Voilà. Ils ne font pas. Parce que, voilà, si tu veux, j'ai l'impression que tu vois, moi, qu'est-ce que je remarque? Pour que des pays médiatiquement s'engagent, il faut des accords économiques militaires d'abord, et puis la communication suit. C'est l'impression que j'ai. Par exemple, il y a une télévision iranienne qui s'appelle Presse TV. Tu vois? Mais régulièrement, les gars, ils présentent l'information du Mali différente de ce que les médias mainstream disent. Mais c'est que il y a une coopération entre le Mali et l'Iran. C'est la Russie, on voit. Mais il y a des coopérations secondaires avec l'autre camp. Je ne sais pas si tu vois. Le Mali, peut-être qu'en dehors de la Russie, ils ont des coopérations avec l'Iran, l'Inde, voilà. Mais c'est la Russie qui est tête de file. Mais quand j'ai consulté ce média iranien, là, mais c'est eux-mêmes qui. C'est eux qui ont révélé que les 46 là, ils ne sont pas tous ivoiriens. J'ai refouillé, c'est là-bas que c'est sorti.
Parce que Ah. si tu veux, la communication en faveur d'un pays africain, ça suit les accords militaires et économiques d'abord. C'est-à-dire, il y a des codes quand même, hein, en relation internationale. Oui. Tu ne verras pas le média chinois là défendre, par exemple, Gbagbo comme ça. Non. Il faut leur donner des contrats. C'est la loi. Hein. Parce que en le faisant là, ils savent qu'ils violent des accords peut-être souterrains. C'est-à-dire, il y a la notion de zone d'influence là. C'est pas fini, hein. Entre Ah non. puissances là, chacun respecte le territoire de l'autre. C'est parce que les Occidentaux en ont trop fait. Et trop, c'est trop que Poutine dit, bon, d'accord. Puisque vous foutez la merde là-bas au Donbass ou bien. Donc, moi aussi, je vais aller foutre là. Donc, et là, ils ne peuvent plus parler. Dès que quelqu'un sort tout leur sale dossier, ils reculent. Mais nous qui ne sommes pas informés, c'est sûr, nous, ils viennent déverser leur manipulation. Donc, quelque Exactement. part, là, le monde est régi par des codes. Les médias chinois, là, ils ne viendront pas mettre la France en difficulté par rapport à ce qu'elle fait de sale au Mali. Ils vont se dire non, c'est pas leur affaire. Mais si Goïta signe des contrats d'armement lourds, ils vont commencer à le défendre. C'est-à-dire, on ne fait rien pour rien. Ben oui, ça c'est Donc, clair. Ben ça c'est clair. pour revenir aux médias, comme tu le disais, il y a eu beaucoup de manipulations. Et tu as cité quelques temps forts. Il y a eu des temps forts dans la manipulation médiatique occidentale. Tu as parlé de l'assassinat de Saddam Hussein. A été un temps fort. Et nous tous, beaucoup parmi nous ont gobé ça. Oui, il utilise des armes de destruction. Colin Powell, qui était à l'époque chef d'état-major, il a brandi un tube à essai, soi-disant qui contenait des armes chimiques. Et après, on a découvert qu'en fait, Saddam Hussein n'avait pas d'armes chimiques. Après, moi, j'ai découvert que le vrai problème de Saddam Hussein, c'est que l'Irak avait une flore extraordinaire. L'Irak a réussi à sélectionner, sur le plan botanique, toutes les espèces rares au monde. Et Ah. il s'opposait aux OGM, c'est-à-dire Monsanto ou bien Oui, quoi là. les Voilà. produits A chimiques pour commencé. faire pousser les plantes et puis pour enlever Voilà. les zèbres. Les organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire quoi? D'après ce qu'on m'a donné comme explication, on te vend du blé ou bien on te vend des Les produits graines de alimentaires. maïs, là, le maïs. Voilà. Du maïs à partir duquel tu ne peux pas replanter pour que ça pousse. C'est-à-dire, on t'envoie des denrées alimentaires parce que le but, c'est quoi? Si moi, j'utilise des aubergines, une fois que j'ai mangé les grains là, il faut que je puisse planter pour que ça pousse. Voilà. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient des Des denrées aubergines sans alimentaires graines. dont les grains même sont là, mais ça a été modifié génétiquement. C'est-à-dire, Ah. une fois que tu as consommé, tu ne peux plus replanter les grains que tu vas trouver là. C'est mort. Quand tu plantes, ça ne pousse plus. Voilà. Tu vois? Et Saddam Hussein était opposé à ça. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que les gens, ils veulent utiliser cette arme-là de produits qu'on consomme, mais qu'on ne peut pas planter, qu'on ne peut pas replanter. Ils veulent utiliser ça pour leur industrie, pour avoir le monopole sur certaines choses. Parce que si toi, tu manges la chose et tu ne peux pas replanter, mais tu attends Bah, que t'es dépendant, t'es prochainement, dépendant. il t'amène encore d'autres commandes. Donc, tu dépends de lui. Voilà. Il t'amène des trucs, une fois que tu as fini de manger, tu ne peux pas replanter. Voilà. Donc, tu vas encore recommander chez lui. Donc, Saddam Hussein, il a vu ça. Donc, avec ses experts, ils ont créé des forêts botaniques où ils ont commencé à collectionner toutes les espèces de plantes du monde que eux, ils protègent ça loin des OGM. Voilà. Là, tout ce que les Blancs vendent, et que quand tu achètes, tu ne peux pas replanter là. Lui, il a ça. Lui, il a ça. Et puis, Il peut il pas lâcher chez interdit lui. qu'on fasse la manipulation. Lui, pour lui, là, on peut replanter. Mais les gens ont vu qu'il va gâter leur business. Et puis, Donc, moi, on m'a. il y avait aussi un projet de pipeline entre l'Iran, parce qu'il commençait à devenir camarade avec l'Iran. Il commençait à devenir camarade avec l'Iran.
Comme aujourd'hui, Oui. la Syrie est camarade avec l'Iran, là. Comme la Syrie est rentrée dans la Ligue arabe encore, aujourd'hui, là. Oui. Qui Oui. se plaint? C'est les Américains qui se sont plaints. Pourquoi la Syrie, la Ligue arabe a accepté la Syrie? Est-ce que c'est le problème des Américains? Les gars disent qu'ils veulent camarades. C'est toi qui aux États-Unis là-bas qui n'es pas d'accord. Par rapport à quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas justement que les gens soient ensemble et deviennent forts, deviennent puissants, deviennent indépendants. Parce que les gars, eux, après eux, c'est eux qui doivent commander tout. Il y a même une vidéo même de Biden que j'ai vue hier, que je crois Congo a partagé, où on voit Biden qui dit que c'est nous, là, on doit régler les problèmes du monde. C'est nous. C'est moi. Mais c'est clair. C'est clair. Pour revenir à Saddam Hussein, un, on l'a liquidé parce qu'il était en train de mettre une stratégie qui allait s'opposer aux OGM. Deux, on l'a liquidé parce qu'il se rapprochait de l'Iran, comme tu viens de le signifier. Trois, on l'a liquidé parce qu'il devenait suffisamment inquiétant pour Israël. Parce qu'un jour, il a menacé Israël ouvertement. C'est-à-dire, Saddam Hussein était parti, il n'était pas loin de devenir le leader du monde arabe. Parce que il était en train d'acquérir de l'armement, mais pas des armes chimiques. Non, les gens ont menti sur lui. C'est-à-dire, d'abord, un, ils ont menti sur Saddam Hussein. On le présente comme quelqu'un qui est essentiellement un homme qui dirige par la force, qui n'a pas d'envergure intellectuelle. Non, moi, je suis allé me documenter. C'est un diplômé en droit. Il a fait des études de troisième cycle en droit. Ça, c'est un de deux. Mais c'est un stratège militaire. Regarde comment il a ridiculisé George Bush père. La première guerre du Golfe, Saddam Hussein a Ah, placé des leurres, c'est-à-dire des avions en pacotille, en en jouet. pacotille, Mais en George Bush est venu bombarder tout. Il dit, on a détruit l'aviation. Oh, les vrais avions étaient dans le sous-sol. jouet, C'est un stratège. Donc, les gens, ils ont vu que, parce que Saddam Hussein a menacé carrément Israël. Il dit, vous là, vos conneries, vous faites aux Arabes là. ça, J'arrive c'est sur vous bientôt. hein. Et, mais les Américains, en plus, sont sérieux parce que c'est les protecteurs des Israéliens. C'est-à-dire, toute menace contre l'État d'Israël, elle est prise à cœur comme concernant les États-Unis. Parce qu'ils ont un gros lobby juif là. Et je crois même que beaucoup d'hommes d'État américains sont d'origine juive et tout, sans doute. Voilà. Donc, Saddam Hussein, il a menacé Israël. Il dit, vous là, vos conneries là. Continuez, je vous regarde. Un beau jour, moi, je vais vous bombarder. Et puis, les gens ont vu qu'ils ne s'amusaient pas. Donc, voilà Mais tu te rappelles un les exemple. Mrs. Scoud? Tu te rappelles les Mrs. Scoud? Oui, je me rappelle, pendant Les la première fameuses guerre du Scouts. Golfe. Voilà. Oui. Les Scouts partaient sur Israël. Ah, tu as vu. Les Scouts partaient Tu as sur vu. Israël. Ça a menacé Tel Aviv à un moment donné. Parce que les gars lançaient 2, 3, 4, 5, machin, tout. Et c'est là que les Américains bombardaient bien même Bush père, bombardaient bien même, parce qu'ils ont pris le prétexte que l'Irak a envahi le Koweït. Parce que le Koweït, en fait, Oui. c'est une partie de l'Irak. Comme Taïwan est une partie de la Chine, là. Comme la Crimée est partie de la Russie, là. Eh bien, le Koweït, là, c'est les Américains qui ont coupé ça pour faire un pays à part parce qu'il y avait beaucoup de pétrole là-bas. Donc, un Oui. matin, comme Saddam Hussein devenait suffisamment puissant, il s'est dit un matin, Joe, on va récupérer notre coin, là. Ils sont rentrés un matin au Koweït. Pourtant, le Koweït avait une armée. Hein. Le Koweït était armé par les Américains, tout ça. Tout Mais en à deux fait. jours, ils ont récupéré le Koweït sans problème. C'est ça qui a été le prétexte pour Papa Bush de venir maintenant rentrer en guerre contre Mais l'Irak. je rebondis sur ce que tu as dit, même dans l'explication dans les médias au sujet de cette affaire, ils n'ont pas dit toute la vérité. Ben oui. Parce que le Koweït volait le pétrole irakien. Voilà. Parce que Saddam Hussein s'est plaint que les Irakiens viennent voler, et comme on Les l'appelle, coefficients, les coefficients. les Koweïtiens, voilà, viennent et ronger les gisements qui se trouvent sur le territoire, et comme on l'appelle, irakien, les Koweïtiens. Les machines Koweïtiennes la rentraient frauduleusement pour faire voler certains gisements. Mais après, des documents d'investigateurs ont confirmé qu'effectivement, installation en fouille à la main des Américains dedans. Ils amènent les ingénieurs. Et bon, Saddam Hussein s'est plaint
Personne ne l'a écouté. Il dit non, les compagnies du Koweït là viennent frauduleusement grappiller sur les réserves. Mais ils ont, comme on le présente comme un gars, un fou, on dit oh, c'est faux. Ah, c'était vrai. Donc lui, il a dit ah, comme vous faites ça, et vous arrogez le droit de le faire. Bon, d'accord, moi je vais ressusciter les anciennes, comme on appelle. Les anciens accords historiques, là, d'ailleurs même, la partie, Les anciennes cartes de mon pays, là. voilà, la partie à partir desquelles vous quittez pour venir traverser la frontière, là. Il dit que historiquement, ça, là même, ça appartient à À l'Irak. l'Irak, donc Donc, c'est une manière de mettre fin à vos incursions, là. Une fois qu'il récupère ça, là, il n'y a plus d'incursions, c'est sous son contrôle. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les médias occidentaux, pour revenir à la matière de notre causerie, il faut que les Africains conçoivent, implémentent des médias pour apporter la contradiction. La contradiction, elle existe, mais elle est encore faible. Parce que Inexistante il même. faut de, voilà, il faut des médias d'accès gratuit. Comme on capte la RTI gratuitement, comme dès qu'il s'agit de payer d'abonnements, des abonnements, c'est sûr qu'une bonne partie ne pourra pas accéder. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a eu des mensonges par rapport à l'Irak. Il y a eu plein de mensonges. D'autres exemples qu'on peut donner, hein, par La rapport à la Libye, guerre, par rapport à la la guerre Libye d'Algérie, avec la Kadhafi. guerre d'Algérie, Oui, la guerre qu'on d'Algérie. a présenté comme les événements. Jusqu'à aujourd'hui, hein, officiellement, on ne parle pas de guerre. Ensuite, il y a eu Kadhafi. Voilà. Oui. Avant Des ça, mensonges. y a eu les Indiens aux États-Unis, là, à travers Hollywood, avec John Wayne, qui se battaient Oui. toujours contre les Indiens. Les cow-boys, les gentils Voilà. cow-boys, c'est eux, on attaque toujours. Et puis maintenant, quand les Indiens ripostent, on dit oui, les Indiens sont méchants. Les Indiens sont méchants. Oh, les vilains Indiens, ils ont scalpé les gens, ils ont fait des saletés, des horreurs. Mais la réalité, c'est les Américains même qui sont allés sur la tête des gens pour les exterminer, pour faire un génocide. Ça, là, on ne dit pas, on n'est pas là pour salir les gens. On dit la vérité. Si un Américain veut, il peut venir nous poser la question pour savoir si, pour voir la véracité de ce qu'on dit. S'ils n'ont pas fait un génocide sur le peuple des Amérindiens, c'est un génocide carrément. Mais les gens, pour dire la vérité, là, ça les déchire, ça leur fait mal. C'est compliqué parce que c'est une image d'eux qui n'aiment pas, qui ne veulent pas voir. Mais dans tous les films d'Hollywood, quand on regarde les westerns de l'époque, là, nous tous, on était là. Non, les Indiens sont méchants, les Indiens sont méchants. Moi, c'est à cause de ça que j'ai connu les Miscaleros, les Apaches, les Cheyennes, les Sioux, toutes les branches, les ethnies des Amérindiens. J'en ai connu beaucoup, j'ai Oui, fait des films. Et eux tous, les pour moi, commandes. c'était des méchants. Les Comanches, voilà. Donc, franchement, quand on est aliéné par des choses que les gens nous disent, des médias de propagande, parce que c'est eux qui disent toujours que oui, les autres, quand ils parlent, c'est la propagande. Mais eux, quand ils Oui, parlent, ils oublient que c'est propagande aussi. mais c'est la propagande. C'est C'est-à-dire la propagande. maintenant, nos chefs d'État qui sont prêts pour faire la rupture, il faut qu'ils songent à ça. C'est indispensable. C'est Il faut des vital, c'est médias. vital. C'est vital. Parce que là, même récemment, pour faire une petite digression, j'étais en train de lire, d'écouter des documents sur Bokassa. Mais même au sujet de Bokassa, on nous a présenté un gars illuminé qui veut faire comme Napoléon. Mais ce qu'ils ne nous disent pas là, Bokassa était entouré de conseillers français qui l'ont accompagné dans cette folie, l'affaire de Centrafrique, un empire. Voilà, se ridiculiser même. Parce que Bokassa leur garantissait un accès illimité au diamant. Donc, on Bon. va le laisser créer l'empire, il va se proclamer à vie. Donc, tant qu'il est là, ça veut dire nous, approvisionnement à vie. Mais Ben après, ils ont monté un coup d'État, David Dacko est venu remplacer Bokassa, tout, tout. Mais Charles Onanda, qui est un grand journaliste d'investigation, à qui il faut tirer le chapeau, il a mené des investigations. Quelqu'un est venu mettre à sa disposition des conversations audio de Bokassa avant sa mort. Il a eu accès à ça. Donc, il a écouté et puis il a fait mener une autre enquête à partir de ça pour savoir pourquoi est-ce qu'on a renversé Bokassa. Mais c'est voilà. pour une raison simple. Ce n'est pas parce qu'il était tyrannique, quoi, quoi. Non, ils ont vu que dans les tiroirs du bureau de Bokassa, il y avait assez de documents compromettants pour Giscard d'Estaing.
Donc, du Giscard d'Estaing. Quand ils sont venus, dès qu'ils ont fait le coup, ils ont enlevé Bokassa. Mais écoutez, vous faites un coup d'État. La priorité du commando qui opère là, c'est de prendre la télévision, les trucs stratégiques, c'est ça. Mais ils ont remarqué que quoi? Dès qu'on l'enlevait, la priorité, c'est d'aller dans le bureau de Bokassa. Il y avait des documents, des boîtes noires. C'est ça qu'ils étaient allés. C'est-à-dire, c'est ça qui les préoccupait. Et ce que beaucoup ne savent pas, ce que beaucoup ne savent pas, pour ceux qui connaissent la ville de Anvers en Belgique, la ville d'Anvers en Belgique, vous allez savoir que c'est l'une des villes où on vend le plus de diamants dans le monde, où il y a le plus de diamantés. Il y a un président français qui a des entreprises qui vendent le diamant à Anvers, qui sont pour la plupart, qui ont fait du moins leur fonds de commerce sur les diamants de la Centrafrique. Des millions de Français ne sont pas au courant de ça. Oui. Est-ce que vous savez ça? Quand ils ont commencé à accuser Bokassa de ceci, Bokassa n'était pas trop malin, hein, ça c'est la vérité. Il n'était pas trop malin. Il était mégalo, c'est vrai. Il ne pensait pas à son peuple, c'est vrai. Mais dans les conneries, là, comme on dit chez nous, là, les gens qui étaient autour de lui, là, c'était des expatriés aussi, qui l'accompagnaient dans les conneries. Là, bien au détour du peuple centrafricain. Mais ça, les journaux de TF1, Antenne 2 et ceci, cela ne vont jamais parler de ça. Il y a ça déjà de côté. Pas de ça. Il y a le Gabon avec Bongo. Tout à avec fait. La société Elf qui pompait le pétrole du Gabon à gogo et presque gratuitement. Ah oui. Et les Français qui payaient l'essence à la pompe à l'époque, à un prix déjà à l'époque qui était quand même assez compliqué pour eux parce qu'ils disaient oui, ça coûte cher l'essence et tout ça. Mais est-ce que les gens avaient idée que les gens même qui pompaient le pétrole, ils prenaient ça presque gratuitement en Afrique? Mais ils revendaient ça comme par exemple l'Allemagne ou bien l'Angleterre ou bien tout ça vendait leur essence à leur population. Si on veut comparer à la Libye qui vendait et puis les États-Unis. Les États-Unis là, c'est un gallon, ça peut faire 3 litres et quelques, qui coûte à peu près comme ce que l'essence coûte, le litre coûte ici en Europe, aux États-Unis, là, parce qu'ils ont du pétrole là-bas. Donc, ils font en sorte que leur population, au moins le pétrole, là, l'essence et machin, là, vraiment, ils peuvent acheter ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Les gars vont prendre le pétrole presque gratuitement dans les pays africains et ils vendent ça au prix normal, comme si au prix mondial. L'argent là va où? L'argent, là, ça va où? Quel que soit le gars qui vient au pouvoir, point d'interrogation. Et les gars se débattent. Ils font tout pour que si jamais il y a élection en France, par exemple, soit c'est la gauche, soit c'est la droite. Il ne faut jamais que ce soit Marine Le Pen ou bien les gens de Le Pen, les gens qui ne sont pas dans le circuit. Il ne faut pas que ce soit eux. Donc, quand vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, vous allez comprendre, quand il y a premier tour, deuxième tour, et ceci, c'est la connerie, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour mettre quelqu'un qui sera contre Marine Le Pen, mais que ce soit quelqu'un de la droite ou bien quelqu'un de la gauche. Comme ça, au deuxième tour, tout le monde va regarder Marine Le Pen comme cacamou, et puis on va voter pour l'autre là. C'est mieux que de voir des nouvelles personnes qui vont venir mettre leur nez dans les affaires et découvrir des saletés que les gens ont faites depuis la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième république. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Voilà pourquoi les gens parlent de Marine Le Pen et puis ils insistent sur le racisme et tout ça. Raciste, là. Les gens de Le Pen là, ne sont pas plus racistes que les gens de Hollande, là, les gars de la gauche. Ah, ça, ça a bien rentré dans la tête des gens. Hein. J'ai dit, le racisme, là. De toute façon, les gens disent oui, les gens de Le Pen sont racistes, là. Ils ne sont pas plus racistes que les gens de la gauche ou bien de la droite. Vous ne me croyez pas, demandez à Darmanin, demandez à Eric Ciotti, demandez au maire de Nice, là, demandez à tous ces gens-là. C'est, les gars, même peut-être, ils sont pires que Marine Le Pen. C'est là que vous allez voir que c'est, les informations, le blabla des gens-là, ce n'est que du blabla pour mélanger le cerveau des gens, pour amollir le cerveau des gens, pour ne pas que les gens réfléchissent, pour ne pas changer le système. Mais le système est arrivé à bout aujourd'hui. On voit
vois maintenant que c'est compliqué pour tout le monde. C'est difficile de faire avaler encore des choses aux gens. Oui, mais ce n'est pas encore fini. Les gars se battent toujours pour ne pas que quelqu'un d'autre du sérail, de la marmaille, vienne voir clair dans les affaires. Et même si Marine Le Pen passe, quand elle va rentrer à l'Élysée, là, et puis on va lui montrer les dossiers, là, elle va fermer sa bouche. Va fermer sa bouche. Aujourd'hui même, regardez hein, son comportement. Entre Marine Le Pen du début, quand elle était avec son papa, et la Marine Le Pen de maintenant, la première des choses qu'elle a faites, c'est quoi? Quand elle a commencé à voir un peu clair, là, elle a dit, on ne s'appelle plus Front National. Oui. Enlevez ça. FN, là. Enlevez ça. Ouh, arrêtez à faire des racismes, là. Maintenant, un coup, elle prend l'avion et puis elle se promène en Afrique maintenant. Ah bon? Tu t'en fais quoi au Sénégal? Tu t'en fais quoi au Gabon? Mais quand tu as la télévision devant les Français, on en a marre des Africains, on en a marre des étrangers qui viennent chez nous, et on va fermer les frontières, on va faire cela. Et puis la nuit, tu prends l'avion, tu t'en vas en Afrique. Tu crois qu'ils n'en ont pas marre de te voir aussi? Oui. Mais personne ne te pose la question, hein. Personne ne réfléchit, personne n'anticipe ce que les gars sont en train de faire. Ce n'est qu'un groupe de personnes qui sont là dans des intérêts, comme Macron l'a dit. En Afrique, on n'a que nos intérêts qu'on va défendre bec et ongles. Et puis, je n'ai pas vu un seul président africain se lever pour répondre à Macron pour dire que toi, Macron, tu as quel intérêt ici en Afrique d'ailleurs? Faut nous dire ce qu'il y a dans le sous-sol de l'Afrique là. C'est quoi qui pousse bleu, blanc, rouge? Je sais pas si c'est l'or, ça sort bleu, blanc, rouge, ou bien le diamant, ça sort bleu, blanc, rouge, ou bien le pétrole, ça sort bleu, blanc, rouge, ou bien l'uranium, ça sort bleu, blanc, rouge. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui sort bleu, blanc, rouge? Et puis toi, tu peux te permettre de dire que tu as des intérêts. C'est quoi? Faut nous dire. Parce que de toute façon, tu as des intérêts en Afrique, tu as des intérêts comme ça en Russie aussi. Oui. Des intérêts comme ça. Parce que ils vont nous parler, non, les entreprises. Tu as des entreprises aussi en Russie. Avant-hier, là. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Non, on fait rapatrier nos usines. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas envoyé soldats là-bas pour aller régler l'ordre ou ceci, cela. Mais par contre, en Afrique, quand il dit que oui, on doit augmenter le budget de notre armement, machin truc là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire la guerre en Afrique, devant tous ceux qui vont se mettre, d'après eux, devant leurs intérêts, par la force. Alors que vous savez très bien qu'avec la force aujourd'hui là, ça ne passera plus. C'est fini. C'est fini. Les gars, c'est juste du blabla. Les gars sont en train de faire. Voilà pourquoi les gars, maintenant, aujourd'hui, et ça, on l'avait dit il y a au moins 3 ans. Je ne sais pas si certains se souviennent. On a dit, vous allez voir en France, hein, ça va devenir difficile. Les gens vont commencer à serrer la vis pour tous les aides sociales, les machins, tout ça qu'ils faisaient avant qu'ils donnaient. Ils vont commencer à serrer la ceinture. Ils vont commencer à faire des réformes pour pouvoir essayer de conserver l'argent parce que l'argent ne va plus venir de l'Afrique comme avant. Ceux qui connaissent nos vidéos, là, il y a des gens qui regardent, ils savent très bien qu'on a parlé de ça longtemps. Voilà le moment qui arrive aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui la France est mélangée? Réforme des retraites, c'est pour économiser. Pourquoi aujourd'hui ces trucs, oui, on va mettre un ordre dans les aides sociales, dans les trucs vitaux, la carte vitale, machin, truc. On va commencer à pourchasser les gens qui font la fraude. On va commencer maintenant à voir les plus riches là, au niveau de leur impôt. Est-ce qu'ils payent bien? Les gars commencent à chercher l'argent partout où avant ils laissaient les choses tranquilles. Parce qu'ils savent que l'Afrique, là, c'est plus comme avant. Ils savent que les gens commencent à prendre conscience que non, nous aussi, Africains, on a le droit de vivre décemment chez nous. Et pour pouvoir vivre décemment chez nous, on a besoin de défendre, nous, nos intérêts sur la terre de nos ancêtres. Il n'y a pas un intérêt sur la terre de nos ancêtres qui appartient à la France. Ça n'existe pas. Mais on veut les informations, les médias. Quand ils vous bassinent tous les jours dans la tête, les intérêts français en Afrique, les intérêts français en Afrique, Africains commencent à voir que vraiment la France a des intérêts en Afrique. Ou bien ils mentent. Bien sûr, et même là, si tu veux, il y a une militante de la société civile malienne, Amina Fofana, qui reprend exactement ce que tu es en train de dire. Elle dit, maintenant, apprenons à rectifier notre langage. Voilà. Ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont que des crimes et des vols en Afrique. Voilà. Parce que le mot intérêt, même là, ça te donne une certaine légitimité. Oui, ça t'appartient Quand tu quoi? dis, voilà, quand tu dis j'ai des intérêts, le vrai sens du mot là, ça veut dire des choses
qui m'appartiennent, sur qui lesquels tu m'appartiennent. as des... Voilà, tu as des droits Je n'ai là-dessus, pas. dans Je le n'ai pas langage dit aussi, courant. j'ai les droits dessus. Oui? Voilà, dans le langage courant, quand quelqu'un est là et puis on te dit oui, en dehors de ta profession, quels sont tes sources de revenus? Il peut dire oui, j'ai des intérêts dans le bâtiment, j'ai des intérêts dans le manioc. C'est une façon de parler pour dire que j'ai un business d'entente intérêt. Ça veut dire que tu as des droits là-dessus. Ils Par n'ont exemple, aucun droit. dans une entreprise, par exemple, on veut construire une boulangerie, nous deux. On est deux. On veut Oui, construire une entreprise, oui. une boulangerie. Moi, j'ai 50 millions. La boulangerie, ça va coûter 100 millions. Moi, j'ai 50 millions. L'autre a 50 millions. On se met ensemble pour faire notre boulangerie. Sur un terrain neutre. Là, maintenant, on peut parler. J'ai des intérêts dans cette boulangerie. Parce que j'ai Voilà. 50% de mon argent qui est parti là-bas. L'autre aussi, oui, j'ai 50% aussi qui est dedans. Nous deux, on a nos intérêts dans Voilà. la boulangerie. Mais dites-moi, Voilà. au Mali, là, l'or qui est dans le Mali, là, c'est intérêt de qui? C'est intérêt de la France ou bien c'est intérêt des Maliens? L'or qui Tu est au vois. Burkina, le pétrole qui est dans le sous-sol du Ghana, c'est intérêt de choses de l'Angleterre ou bien c'est intérêt du Ghana? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Ce dont ça, ils emploient les mots pour affaiblir notre subconscient. Donc dès Mais maintenant, ils n'ont pas d'intérêt. Comment on appelle? Remplaçons ça par un autre mot. Ils ont de l'usurpation. C'est du brigandage, quoi. Voilà. évidemment, Voilà. et comment tu peux imposer le brigandage? C'est pas avec les armes, c'est pas avec une C'est les armée. armes. C'est avec une armée que tu peux imposer la force. Pourquoi il y a des bases militaires qui sont là? On vous invente que oui, il y a des terroristes ou bien avant les terroristes, bon, avant que les terroristes soient à la mode là. Il n'y a pas les bases françaises en Afrique. Les bases étaient là Si. pourquoi? Les bases étaient là pourquoi? Quand ils sont intervenus à chaque fois avec les Bob Dinard et consorts et tout ça, c'était pour enlever un président qui était gênant. C'est tout. Ce n'était pas pour combattre contre quelqu'un qui attaquait un autre pays ou bien quoi que ce soit. Les gars, ouvrez vos minds. On n'est pas en train de faire on n'est pas en train de faire du French bashing, c'est-à-dire. Et détruit l'image de la France ou bien c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de rétablir simplement des faits, la vérité, pour que les politiciens français là arrêtent leurs bêtises là, arrêtent leurs conneries qu'ils font, Bon, écoute, mon frère qui Bokwasi, oui. là, je suis pas d'accord avec toi. On est en train de faire du French bashing parce qu'il faut détruire leur image. Parce que si le mal vient de la France, Oui. mais il faut prendre position contre la France. C'est une manière de parler. Non. Si vous êtes à l'origine de toutes Soyons les formes factuels. d'imposture, Attends, soyons factuels. Parce qu'il y a des oui. gens aussi ici. Passons, les journalistes français parlent et puis maintenant, les Français bêtement se retournent contre les Africains. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose qu'eux. Nous, on D'accord. dit que les gouvernants français font des Oui. conneries en Afrique. Ce Voilà. n'est pas la population française. Non, ce n'est C'est différent. pas la population Voilà. française. Ce n'est pas Ah. la population française. Mais je veux dire que puisque c'est les représentants du peuple français, ils agissent au nom de l'État français. Donc, Oui. ça fait que par moment, on peut aussi se permettre d'employer ce langage-là que la France, c'est un État esclavagiste. Parce que historiquement, c'est factuel. Mais la France... Mais c'est un mauvais État. Excusez-moi. Les Français, vous êtes des citoyens, comme tout le monde, vous avez vos préoccupations, scolariser vos enfants, vivre votre vie tranquille. Le peuple français est un peuple comme tous les autres peuples qui cherchent sa pitance, qui cherchent son bien-être. Voilà. Mais l'État français, là, c'est l'État. L'État, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle État qui est localisé à un endroit. Non. L'État, il est représenté par des hommes dont la signature engage un peuple. Les dirigeants français, là, la France en tant qu'un État, mais c'est un État esclavagiste. C'est un État d'imposture et d'usurpation. Donc, voilà, on parlait des médias. Moi, tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, commencez à avoir une méfiance critique envers tout ce que RFI, France 20, c'est-à-dire les choses qu'ils répètent à longueur de journée, là. Prenez ça avec distance. Parce que si ils disent quelque chose, posez-vous la question sur le plan du contraire. Voilà. Même Tikendia, qui n'a pas été tendre envers Babou, un jour Tikendia m'a dit un truc, ça m'a fait réfléchir. Il dit, chaque fois que les médias occidentaux font un tir groupé sur un leader africain, faut vous poser des questions.
commencer à chercher qu'est-ce qu'il a fait qui ne les arrange pas. Il dit, ah, Tikenja, c'est ce que tu dis. Ah, donc ça s'applique à toi-même. Quand tout le monde condamnait Gbagbo, là, en fait, Tikenja me donne l'impression que maintenant, là, il a commencé à voir la vérité. Mm-hmm. Mais comme il sait que celui qui est en face, là, ce n'est pas Gbagbo, avec lui, on ne s'amuse pas. Mm-hmm. Avec lui, un simple palu peut te tuer. Ils vont dire palu fulgurant. Mm-hmm. Même une diarrhée, ça devient fulgurant. Quand il se méfie, la preuve, quand il a fait, ça c'est une digression, quand il a fait sortir son truc gouvernement 20 ans dans le kit, il était entouré de dozos avec des fusils. Ah. Peut-être c'est un message indirect pour dire que ah, j'ai parlé, hein. Voilà, mes parents sont autour de moi. Mm-hmm. Donc, c'est pour vous engager à être méfiant. C'est-à-dire, dès lors que France 24, TV5, RFI, CNN, moi j'appelle ça le cartel médiatique. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est comme si ils se concertent pour cibler quelqu'un. Dès lors où ils embouchent la même trompette pour dire la même chose et ils répètent ça, commencez à douter de ça. Voilà. Et puis, on vous informe que notre frère Kémi Séba a mis en ligne un média de dernière génération, Afrique Résurrection. Allez suivre ça. Ils ont des petites chroniques. Ils ont essayé d'améliorer la communication. Au lieu de faire des vidéos longues, ils ont des petites chroniques courtes qui défont les mensonges. Tous les mensonges depuis notre enfance. Afrique Résurrection, ils ont des chroniques. Bon, je donne un exemple simple. Hein. On a souvent, nous, entendu parler au primaire les poèmes de Jean de La Fontaine. Mm-hmm. Voilà, vous pouvez réagir en commentaire. Qui c'est qui a déjà étudié ça au primaire? Le corbeau et le renard, Jean de La Fontaine, ceci, cela, voilà. Mais dans cette chronique que j'ai suivie, une historienne, hein, parce qu'il a enrôlé des gens, des sachants, des gens qui ont fait des études, elle a dit que de La Fontaine, c'est un plagiaire. Tout ce qu'il a fait là, à 70%, il n'est pas l'auteur. Que l'auteur, c'est un Africain. Ésope. Voilà. Ésope. Tu vois, que Jean de La Fontaine a repris les contes là textuellement. Il a simplement modifié les noms. Les animaux. Voilà. Donc, allez suivre ça et il défend un peu la manipulation. Et puis, il y a une page d'un panafricain, d'un frère Kamite, Lamine de Diams. Mm-hmm. Voilà. Allez suivre cette page-là. Chaque fois, il présente les héros africains. Voilà. Sous l'angle inconnu. Il vous présente tous ceux qui sont à la base des inventions, tous les Africains qui ont été à la base des inventions, et il vous présente tous les héros les médias français ont voulu présenter comme des tyrans. Voilà, donc l'appel que nous on peut lancer envers les panafricains, la société civile, les gouvernants, essayons de voir ce qu'on peut faire pour lancer des médias d'envergure, parce que jusqu'à actuellement, on n'en a pas. Afrique Média n'est pas un média d'accès facile et gratuit. Et techniquement même, ils sont limités. Voilà. Bon, il y a Panafricanist TV aussi qui font de bonnes choses. Déjà, si vous avez le temps, vous pouvez aller. Ils sont sur YouTube. Voilà, Panafricanist TV, vous tapez là-dessus. YouTube, vous allez voir les mêmes chroniqueurs. Mon frère, tu sais, maintenant, comme il nous reste à peu près 5 minutes, il faut qu'on aille droit au but dans les solutions. Oui. Par exemple, avec 10 milliards CFA, oui. 10 milliards oui. CFA, on peut construire un bâtiment plus outils. On peut construire une radio, une télévision oui. avec plusieurs ramifications qui va inonder le monde avec communication par satellite. C'est faisable. Avec un 10 milliards de plus, de budget de fonctionnement. On peut financer les journalistes parce que ce n'est pas des gens qu'on va payer au lance-pied. Ah non, c'est des gens qui vont mettre leur vie, leur esprit, et pour les empêcher justement d'être achetés, pour les empêcher justement d'être dispersés bien tout, et de bien faire leur travail. Non seulement il y aura leur fibre patriotique africaine, parce que je n'ai pas dit d'un pays, hein, je parle africain, ils vont avoir cette fibre patriotique africaine. Et puis, ils n'auront pas de complexe quand ils vont aller se promener dans le monde et qu'ils vont croiser les Oprah, ils vont croiser les autres journalistes des autres pays là qui sont cossus, qui sont bien. Ils n'auront aucun complexe devant eux. Parce que eux aussi, ils sont très bien payés.
Et il faut un travail qui est correct et qui est puissant. À ce niveau-là, on ne peut pas badiner avec la communication. La communication, un journaliste, non, le gars, parce qu'il fait son travail à cause du journal télévisé, là, le gars, il est payé à 1 milliard par an, bien 2 milliards par an, c'est pas. Voilà, on va couper hein, parce que la vidéo est finie. La batterie est usée. Vous comprenez, non? D'accord. Mais on va en reparler. D'accord. Donc, le gars, ciao, merci. Pensez, c'est l'argent. Merci beaucoup. Les milliardaires, il y en a beaucoup en Afrique. Il est temps maintenant de réfléchir pour faire quelque chose de bon. Voilà, merci beaucoup. Au revoir et à une prochaine fois. Voilà.